Hey, psy, toi là, oui, c'est à toi que je parle. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de lâcher ton meilleur pouce bleu si mon contenu t'a plu, de t'abonner, et n'oublie pas de me rejoindre sur mes différents réseaux, Twitter, Instagram, le réseau communautaire Discord, avec plus de 700 personnes pour rencontrer des gens, pour jouer à Yu-Gi-Oh!, pour jouer à d'autres jeux comme League of Legends, Among Us, Minecraft. Et bien évidemment, n'oublie pas de passer faire un tour sur mon Twitch Gaming, je live quasiment tous les jours, on a des tournois hebdomadaires sur Yu-Gi-Oh!, on joue sur différents jeux, rejoins la communauté de plus déjà 2000 personnes. Tu trouveras tous les liens pour rejoindre ces différents réseaux en description de la vidéo. Bonne vidéo à toi. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la rediffusion d'un live Twitch qui est actuellement en cours sur ma chaîne où on va s'ouvrir une boîte, le code de l'éternité, une des meilleures extensions de l'année avec notamment le majeur Access Code, avec l'Arcosaur, avec le Croco de Ravenhoof en synchro, en ultra. On va avoir de la Dragon Maid, on a une Entrap, on a tout plein de choses. Donc c'est une vidéo un petit peu particulière que je vous propose parce qu'on est en live, mais ça vous permettra, si vous avez raté le live, de regarder tout simplement cette ouverture pendant que tous les abonnés sont en train de spam le chat. Ça fait très plaisir. Du coup, code de l'éternité 24 boosters, on est parti. Salut YouTube, dédié à Julien et tes warriors, nous dit Zav. Écoute, c'est parti. Bon, donc on a 24 boosters. Donc la dernière fois que j'ai ouvert une display, le code de l'éternité, pour l'anecdote, c'était quand on avait été déconfiné au mois de juin, je crois, juin-juillet. Et on était avec la team Exi de Repère du Dragon. Et merci beaucoup pour le follow. Ton nom est trop compliqué à dire. Et j'avais chopé une charmeuse en Starlight. Donc on espère remettre l'expérience avec notamment l'effect Veiler qui est disponible dans cette extension en Starlight. Et on est parti pour le premier booster. Les amis, souhaitez-nous bonne chance. On commence avec ce premier booster. Et donc on va commencer avec le prisme Necrokeep. Et merci beaucoup à tous les follow. Hein. La descente de torpilles pour les monstres hauts. IQ, des cartes qui sont intéressantes à récupérer avec le récent support qui a été annoncé pour le deck. Puis Spectre, le pirate fantôme. Et on commence avec un gros Nemesis. Le roi des bêtes Barbaros. Le mégalithe informe. La saga des guerriers anciens. L'emprunt de flèche. Access Code, c'est quoi son ratio nous demande Delta Sniper. Écoute, il n'y a pas trop de ratio. Elle était short print parce que y avait encore des short print à l'époque. Mais je pense que ça doit être une toutes les 3-4 boîtes. Mais on va la choper de toute façon. Hein. J'ai dit qu'aujourd'hui on chopait du lourd. On continue avec le diapason cramoisi. Donc Red Eyes. Pour Jack Atlas. Pour Red Eyes. Ouais. C'est justement la première boîte sans short print, nous dit-il. Maintenant, je crois que ça avait commencé après. Ah oui, peut-être que t'as raison vu qu'il n'y a pas de rare à l'intérieur. Ah, c'est pas faux. Cheveux d'or, nouvelle de la patrouille du pillage. Les tripes, Gookie. L'exit parallèle, excellente staple à récupérer. Bon, bien qu'elle a été rééditée en hub de rareté dans les derniers OTS. Et on a les guerriers anciens, ingénieux, Zouj Kong. Trias Hierarchia. Atori qui nous dit j'ai eu 3 boosters. J'ai eu accès en 3 boosters avant le succès, j'ai revendu la carte 40€. Aïe 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 aïe, coup dur. Mash Plash qui est excellente, qui est jouée dans Marine Cess notamment. Chiblenia circumpulaire cataclysmique. Barbe bleue, charpentier de la patrouille du pillage. Et ben on nous dit qu'il n'y a pas de short print à partir de cette extension. Ouais, c'est vrai que ça commence à dater, donc tant mieux. Écoutez, on espère qu'on va choper un access code, ça serait parfait. Le Gookie, le puissant ogre, le briscodeur berserker virus. Salut Momo, tu vas bien? Le briscodeur épéiste virus. Artisan des profondeurs, et derrière nous avons un monstre à 1100-200, le drapeau Nemesis, un gros Nemesis. Le mégalithe informe, la barbe bleue, charpentier de la patrouille du pillage, griffe de fer Gookie, et la fierté de la patrouille du pillage. Bon, je me fais pas trop de soucis, alors, ouais, faites-moi un peu vos prédictions là, ça colle Arcosaur ou pas? Ça colle Arcosaur du côté de TomTom? Ouais, il y a du nouveau support patrol qui a été annoncé, donc c'est assez intéressant aussi de récupérer un petit peu les cartes. Dragon Maid ou rien, nous dirait Derium. Chambre à fond, nous dit Xilo. C'est une invitation? Chariot, samouraï supra lourd, le diapason cramoisi, le splash de réanimation Xyz. IQ. Et derrière, le contact AI. Je colle des trucs nuls, nous dit Grimmy. Aïe 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 aïe, familier rouge. Saga des guerriers anciens.
En vrai, on recherche un peu beaucoup de choses. Hein. On recherche l'access code. On va rechercher un archosaur, pourquoi pas. En ultra, on a pas envie de toucher Linkross, bien évidemment. Escalier du courrier. Akiba nous dit, je la sens pas trop cette boîte. T'inquiète frérot, ça va tomber. Splash de réanimation Xyz. Rafalien. Ah. Et derrière, nous avons Eria, la charmeuse d'eau gentille, qui est d'ailleurs disponible en Starlight et que j'avais droppé il y a quelques mois. Si un modo peut faire la prédiction sur est-ce qu'on chope access code ou pas, et puis je vous laisse 2 minutes pour voter. Magicien proxy, griffe de fer Gookie, roi des bêtes barbares. Ça va tomber comme ROTD, nous dit Grimmy. Non, je pense pas. Là, ça devrait aller. Salut Nexi, tu vas bien? Salut Beric, ça va les frérots? Merci beaucoup, bienvenue à toi VH. Ouais, ROTD, la boîte était cassée. Et on est 108, hein. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Allez, on est parti. Trip Gookie. Le Briscodeur Zero Day. Réapparition de l'œil maléfique. Seigneur Dragon du Tonnerre. Et derrière, nous avons une piège. Patrol du pillage. Bienvenue à King Tisa. Bienvenue à toi. Trias Erarchia. Pluie Bosu. Shiblenia Circumpulaire Cataclysmique. Et le Requin Lanterne. Bon, aucune rareté pour l'instant et on a ouvert que 6 boosters, donc ça va. Trop fort, Momo. Et Célène pour le subgift, merci infiniment Célène. Vas-y, fais une vraie ouverture cette fois. T'inquiète, Pierre, je casse tout, là. Requin-ci, cheveux d'or. Et on commence avec la première ultra, avancée lourde. Alors je sais absolument plus c'est pourquoi. C'est pour chenille infinie, ça c'est pour les trains. Hein. Ok, bon c'est pas ouf, mais c'est une ultra. Dragon d'Octovision, Fierté, Ménestrel et Dragon. Yeah. Bienvenue à toi et Evurbal, merci beaucoup. Allez, on continue les amis. Pispectre, IQ, Requin 6 circulaire, Basila Lima, Marincès. Et derrière, la fille de la rose. Alors, ça peut être intéressant avec le récent support qui a été annoncé pour Rose Noire. Ça peut être très intéressant parce que c'est un extender directement de la main quand il y a des monstres plantes qui sont envoyés au cimetière. C'est un niveau 3, donc on peut imaginer déjà quelques combos pour faire des synchros. Et Célène qui subgift son mari. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les deux subgifts, Célène. Merci infiniment. Tu penses quoi de la nouvelle extension qui va sortir, nous demande 1810. Bah écoute, t'auras très bientôt des nouvelles sur YouTube. En attendant, j'ai pas de... Je communique pas dessus. Basila Lima, Marincès. Seigneur Dragon du Tonnerre. Goldilocks, l'architecte de combat. La réapparition de l'œil maléfique. Overdark qui nous dit, je viens d'arriver, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, je te remercie, et toi? Et derrière, nous avons le vaillant lancier requin. Familier rouge, guerrier ancien. Yeah. Et Jack qui lâche son prime pour le cinquième mois. Merci beaucoup, merci infiniment. Mégalith informe, sentinelle des profondeurs. T'as vous régalé ce soir, hein. Merci infiniment les gars. Donc là pour YouTube, hein, j'imagine que c'est un petit peu différent du format que vous avez l'habitude de voir. Yeah. Mais ça vous permet de voir aussi la bonne ambiance qu'il y a sur YouTube. Du coup, bah, je communique beaucoup avec les gens parce que bah, c'est quand même une plateforme qui est là pour ça. Et merci beaucoup à Copain pour le quatrième mois. Merci infiniment. Cabriel, alors dans ce booster, je sens quelque chose de très lourd. Hein. Goldilocks, Splash de réanimation Xyz, Trip Gookie. Ah bah yes. Le règne rouge. Les courses chirurgicales, Trias Hierarchira, Roi des Bêtes, Barbaros. Et Doricopte qui sub Fab du 77. Merci beaucoup Dori, merci beaucoup frérot. Dori le qui s'occupe de toute la partie communication du Momo Gang. Merci beaucoup les frérots. Hein. Prisme Necrokeep, IQ, Cheveux d'Or, nouvelle de la patrouille du pillage, Artisan des Profondeurs. Exilo qui resub Momo, merci beaucoup. Vous faites un concours de qui est la plus grosse là ou quoi là? Calmez-vous un peu là. Et derrière nous avons le parapluie Nemesis. Jumelle désenchaînée. Pour le troisième mois Momo. Hein. Barbe bleue, le mage splash et la chien de meute magique. Et la chien bien sûr. Toujours pas de secret les amis. Nemesis sous-côté, ouais de ouf, je suis d'accord avec toi Zav.
Les cabrioles florissantes. Ça, c'est Pierre, il fait des cabrioles. Il fait beaucoup, beaucoup de cabrioles, Pierre. Seigneur dragon du tonnerre. Rafale lien. Descente de torpille. Derrière, nous avons une magie. Nous avons une magie qui est Apocalypse du vide. Ta cam bug. Non, elle bug pas là, non? Ça a l'air d'aller. Musashi, le maître de l'épée samouraï supralourd. Griffe de fer Gouki. Trias Hierarchia. Et l'ordre du diapason. Et on m'annonce qu'on aura une Starlight dans 4 boosters. Bah écoute. Juju. J'espère que tu vas nous porter chance. S'il y a une Starlight, je casse tout, hein, les amis. Hein. Chariot samouraï supralourd. Brisk Odeur. Oui, elle était scellée, Macross. Je l'ai acheté au repère hier. Avant-hier, hier. Raphaëlien, seigneur dragon du tonnerre. Et derrière, nous avons une lien. Les amis. Ah bah d'accord, c'est une lien 1. Oh non. Mais non. Mais non, pas le Croix-Lien qui a été banni il y a 3 semaines. Oh non, mais pourquoi es-tu là, Croix-Lien? Tu valais 25 euros il y a 3 semaines et maintenant tu ne vaux plus rien. C'est vraiment dramatique. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave, on met de côté, même si je pense que ça sera jamais, jamais débanni. Ça restera une carte de collection dans quelques années. Le Zébroïde. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que le Zébroïde, c'est une carte qu'on ne peut pas jouer. Tout simplement en TCG parce qu'on ne peut pas résoudre sa condition d'activation. Et parce que tout simplement, parce qu'en fait c'est un niveau 4 et on peut la sacrifier pour invoquer une UX6 de niveau 4 et de rang 4. Et on n'a pas de UX6 de rang 4 dans Salamangreat Grade pour l'instant. Du coup, bah cette carte est complètement inutile. Ordre du diapason, dragon Noctovision, le magicien proxy. Bon, on a eu 2 ultras. Chez nous dit Ikawax. Aïe 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 aïe. Ouais, mais en tout cas, cette boîte, elle pourra pas être pire que la ROTD claquée au sol que tu m'as envoyé, FDP. Bah. Prime Necrokeep. Splash de réanimation X's. J'ai eu avancée lourde et Croix-Lien pour l'instant. Salut Neri. Exit parallèle, très très bonne carte. Rafale-Lien. Et derrière, nous avons Malice, dame de l'alimentation. De l'alimentation, oui, bien sûr. Et Z-Porn qui lâche un pourboire de 5 euros. Merci infiniment. Merci infiniment. En plus de ça. Genre, je suis sûr que vous faites ça juste pour que je dise vos noms et que ça passe sur YouTube. Hein. Vous êtes vraiment des gamins. Hein. Ordre du diapason. Et Musashi. Dame de la... Ouais, je suis parti en vrille à Tori. Non, je vais choper Access Code, Ikawax. Je vais te montrer ce que c'est qu'une vraie ouverture de bonhomme. Goldilocks. Basila Lima. Cabriole florissante. Guerrier ancien terrifiant Zhang Yuan. Et attention. C'est un monstre. 3000. C'est le Gusari Ignister. Familier rouge. Sentinelle des profondeurs. Bah si, je t'ai reconnu, Z-Tech. Je sais que c'est toi, Z-Porn. Fierté de la patrouille du pillage. Et jumelle désenchaînée, Sarama. Toujours pas de secrète, les amis. On est à la moitié de la boîte. Hein. Le meilleur pour la fin. Ryukujiro. Artisan des profondeurs. Diapason cramoisi. Descente de torpille. Gouki, le puissant ogre. Et derrière, nous avons une magie. Expédition de navire de la patrouille. Oh là là, expédition de navire en ordre de la patrouille du pillage. Je ne sais plus lire. Guerrier ancien, membre du tour, pot artiste, Musashi. Et chien de meute magique. Mana qui nous dit Starlight Vaudou. Access code en Starlight, ça n'existe pas, mon cher Macross. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, moi je suis content d'avoir acheté cette boîte parce que je récupère pas mal de bonnes staples qui vont être utiles cette année. Escalier du courrier, le requin 6 circulaire, le briscodeur épéiste virus, et attention les amis, c'est un piège. Titanocideuse, ah bah yes. Ah bah yes. En vrai, la carte est ok, mais c'est beaucoup trop lent. On voit d'ailleurs l'artwork, hein, on voit que c'est Apollousa, c'est incroyable, elle est trop belle. Mais la carte aura peut-être une utilité un jour, mais pas aujourd'hui en tout cas. Ouais, le prochain show match pour début février, Mojo. Dragon Taoti, requin lanterne et la pluie bosu. Et pour finir, l'ordre du diapason. GG, tu peux payer un Happy Meal. Ah ouais. Ah bah là, je veux pas faire fortune. Hein. Goldilocks, l'architecte de combat. Guerrier ancien terrifiant Zhang Yuan. Cabriole florissante. Adrastea Nemesis,
Oh yeah. Et derrière, nous avons le Gachiri et Pestopis qui resub à ce même moment pour son troisième mois. Merci beaucoup, frérot. Gachiri est là. Le chien de meute magique. Salamand Grande Zebroid X. Magicien Proxy. Et le mage Splash. On me demande de frotter le booster sur ton crâne. Ok. Ok, les amis. Allez, on est reparti. Salut Bernard. Alors, Briscodeur Zero Day. Pispectre. Chariot Samouraï. Réapparition de l'œil maléfique. Oh putain de crotte. Et Récif Grande Bulle Marine 16. Bon, qui est une très très bonne carte pour Marine 16 d'ailleurs, hein, qui te permet de faire du plus 1 à chaque stand-by. Donc c'est assez intéressant, mais on s'en fout. Bon, le frottage de crâne, on y repassera. Hein. Membre du tour Potartiste et Requin Lanterne. Non, rien du tout pour l'instant, Pesto. J'ai eu un Croix-Lien, il y a un mois, j'aurais été content. Les amis. Cheveux d'or. Guerrier ancien. Briscodeur épéiste virus. Diapason, cramoisi. On est là ou pas? On est là ou on n'est pas là? Les amis, une des meilleures secrets d'ailleurs, hein, une des meilleures secrets de l'extension, qui est montée très très fort suite aux excellents résultats que fait Dragon Maid actuellement en OCG, et du coup c'est une carte qui est quasiment à 60 balles, donc la display est clairement remboursée. On est là. Elle est belle, hein. C'est vrai qu'elle est quand même sacrément belle. Hein. On l'aurait préféré en Starlight, mais bon, on va pas faire les compliqués, sachant qu'il nous reste encore deux ultras. Et que dans les ultras, on aimerait bien avoir la synchro 9, qui te permet de turbo VFD notamment, et en plus de faire du card advantage. Ouah, 55, 60, c'est pareil. Attendez, il y a peut-être une troisième secrète, on sait pas les amis. Hein. Chariot Samouraï Supra Lourd, Briscodeur, Seigneur, Trip Gookie, et le Scripton. Chiblenia, guerrier ancien, membre du tour Potartiste et le Salamangrande Zebroid X. Tu m'as tellement trigger toute la journée avec la chambre aujourd'hui, Red, que bah elle était obligée de sortir. Il nous reste 3 boosters. 3 boosters pour 2 ultras. Hein. On continue avec Basila Lima, artisan des profondeurs, cheveux d'or, descente de torpille. Et la pioche ardente, une carte pour Salamand Great également. Roi des bêtes Barbaros. Ménestrel des profondeurs. La course chirurgicale. Et le dragon Nocto Vision. Deux boosters pour avoir deux ultras. Ou alors on est encore sur une boîte complètement détruite. Hein. Descente de torpille. Adrastea Nemesis. Exit parallèle. Escalier du courrier. Et l'écrase métal mécabot. Jumelle désenchaînée. Chiblenia. La pluie bosu. Et la course chirurgicale. Les amis, dernier booster. Les amis, si une Starlight il y a. Non, il n'y a pas de Starlight. Il n'y a pas de Starlight, les amis, mais on espère avoir la synchro. Le Briscodeur. Le Briscodeur. IQ. La Rafale Lilien. Et le Salon Magidolch, qui est ok en vrai. Ça reste une ultra ok. Ok. Le Mégalith Informe. Le Requin Lanterne. Fallacieux Jiawen. Et le Chien de Meute Magique. Bon, les amis. Ça reste une ouverture, ok. On aurait pu avoir mieux. On aurait pu avoir pire. Du coup, on a la chambre Dragonirène et Titanocideuse. En vrai, la chambre, on valide, mais Titanocideuse, pas trop, en vrai. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes qui font la même chose en mieux.
en effet rapide, alors que ça c'est une piège. Et de l'autre côté, nous avons le Salon Magie Dolce, l'Écrase Métal, le Croilien que personne ne dropait quand elle était pas ban et que là on sort. Et l'Avancée Lourde. Donc on reste sur une ouverture très sympa. Bah, du coup, n'hésite pas à venir nous passer du temps avec nous sur Twitch et à passer des bons moments, à suivre les lives qu'on a l'habitude de faire quasiment tous les soirs. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. C'était Youbel, ciao.